Monster, 20th Century Boys, Billy Bat ou encore Pluto, des titres incontournables réputés pour être des classiques du genre thriller, leur point commun, ils sont tous nés de la divine plume d'un homme, d'un même mangaka. Un mangaka qui transforme en or tout ce qu'il touche à travers ses histoires ô combien fascinantes. Et oui, il est temps de réserver un hommage digne de ce nom à mon mangaka favori, j'ai nommé Naoki Urasawa. Salut à tous, c'est Otakult. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'émission dédiée au mangaka, un épisode sur Naoki Urasawa longuement attendu et beaucoup réclamé. Je vous rappelle que le principe de cette série est de mettre en avant les mangaka qui restent beaucoup dans l'ombre de leurs œuvres. Pour ce faire, on reviendra sur son parcours, ses œuvres, son style de dessin, ses influences, mon avis sur le bonhomme, puis je vous proposerai une petite sélection d'anecdotes. Pour ce faire, je me suis procuré le guidebook d'Urasawa disponible chez Panini, histoire de vous proposer une vidéo autant complète que possible. Concernant la source de mes informations, elles seront donc issues de ce dernier. Sur ce, commençons par présenter le génie. Naoki Urasawa est donc un mangaka japonais né en 1960 à Tokyo au Japon. Sa passion pour les mangas lui vient d'Osamu Tezuka. Il lisait ses œuvres dès l'école maternelle lorsqu'il était gardé par ses grands-parents, chez qui il passait son temps à lire des mangas seul dans son coin, n'ayant pas eu la chance d'aller à l'école maternelle. On aura l'occasion de revenir sur les mangas qui l'ont influencé et marqué dans une rubrique entièrement consacrée à cela. Donc voilà. Dès l'école primaire, Naoki se fait remarquer en devenant le délégué de classe en 3ème année et en participant à la création d'un journal de son école pour lequel il dessinera ses toutes premières histoires. Il s'agissait de Yonkoma, des mangas dont le découpage se compose en 4 cases, servant souvent à des fins humoristiques. J'ai des tas d'anecdotes à vous partager, mais celle-ci a bien sa place ici. Sachez que Naoki Urasawa offrait ses BD à ses harceleurs lorsqu'il commençait à devenir la victime idéale, j'ai envie de dire. De cette façon, il pouvait échapper aux brimades de ses camarades, une belle preuve que sa plume marquait déjà les esprits à l'époque. On notera également qu'il était et est toujours un grand passionné de musique. Il entre ensuite à la faculté de lettres de l'université de Meisei à Ino et revient vers le manga bien inspiré par les séries de Katsuhiro Otomo. Et enfin, pour ce qui est de ses résultats scolaires, il est diplômé en économie à l'université de Meisei. Passons maintenant à sa carrière et ses œuvres. Il a effectué ses débuts de mangaka en 1982 alors qu'il venait tout juste de se mettre à la recherche d'emploi. Il présenta son manuscrit de Return lors d'un entretien chez la Shogakukan, dont l'éditeur responsable du Weekly Shonen Sunday ne semble pas très emballé. L'histoire plaît en revanche beaucoup à son adjoint qui la présente au responsable du magazine Big Comic. Il sera ensuite décerné du prix de meilleur jeune mangaka lors d'un concours avec cette même histoire. Ne se laissant qu'une année devant lui pour percer dans le milieu du manga ou changer d'orientation, il signe alors un contrat d'assistant chez la Shogakukan, qui finira par publier sa première nouvelle intitulée Beta, un récit de science-fiction en supplément du manga Golgo 13, l'un des plus grands kekiga de l'histoire dans le Big Comic. En 1984, il écrit l'une de ses premières histoires courtes, Odoru Kaikan, signifiant littéralement le policier dansant. 1985 est et restera l'année la plus déterminante dans la carrière de Naoki Urasawa, puisqu'en effet celle-ci marque le début de sa collaboration avec Takashi Nagasaki, qui l'épaule et le conseille sur quasiment tous les scénarios de chacun de ses mangas, dont notamment ses futurs best-sellers, L'Homme de l'Ombre qu'on mettra également en lumière dans cette vidéo. Cela dit, c'est en 1986 qu'il commence sa première longue série avec Kazuya Kudo au scénario, Pineapple Army, une série revenant sur la guerre du Vietnam qui prendra fin en 1988 avec 8 volumes. Il débute la même année Yawara dans le Big Comic Spirit, un manga de sport centré sur le judo qui se compilera en 29 tomes en 1993, son premier gros succès en solo lui valant de nombreuses distinctions et adaptations, notamment une série animée, un film et un jeu vidéo, c'est clairement la série qui l'a fait exploser et connaître au grand public. Décidément intenable, il entame Master Keaton en 1988, son second succès qui sera publié jusqu'en 1994 dans le Big Comic original, avant de se conclure en 18 volumes avec la participation de Nagasaki Takashi, si populaire que la série profitera d'une adaptation animée dès sa première année de publication. En France, le manga est licencié chez Kana en 12 volumes, il s'agit d'un thriller policier. Cette même année, il sort un recueil d'histoires courtes incluant Return, cité plus tôt, entre autres, un recueil intitulé Histoires courtes de Naoki Urasawa, disponible lui aussi chez Kana. Sous l'influence de son éditeur, il lance en 1993 Happy, un manga centré sur le sport et cette fois-ci le tennis, avec un ton un peu plus dramatique, disponible lui aussi en 15 volumes de luxe chez Panini, un beau petit succès également pour une série qui se conclura avec 23 tomes en 1999. En parallèle à Happy, il débute en 1994 dans le Big Comic original, ce que l'on pourrait qualifier de sa plus grande réussite, Monster, coécrit avec Nagasaki Takashi, compilé en 18 tomes en 1999, ce chef-d'œuvre du thriller nous est proposé chez Kana sous une sublime édition de luxe de 9 volumes, également adapté en animé en 2004 par Madhouse, un classique que l'on ne présente plus. 1999 est marqué par la création de 20th Century Boys, paru en 24 tomes dans le Big Comic Spirit qui prendra fin en 2006. Un tout nouveau thriller, toujours coécrit avec Nagasaki Takashi, qui impressionne par la qualité de sa narration qui lui a valu d'être couronné de plusieurs distinctions aussi.
Disponible chez Panini sous une édition de luxe de 12 tomes, cette série sera quant à elle adaptée en une trilogie de films live. 2003 voit quant à elle la naissance d'un projet ambitieux, celui-ci consiste à rendre un bel hommage au cultissime Astro Boy d'Osamu Tezuka, un brillant hommage qui voit le jour sous le nom de Pluto, énième classique de Naoki Urasawa en 8 volumes disponible chez Kana, un anime est notamment prévu par le studio MAPPA. Je vous ai prévenu, tout ce que touche cet homme se transforme en or, il entamera un énième succès en 2008 avec Billy Bat dans le Morning Magazine, encore une fois coécrit avec Nagasaki Takashi, compilé en 20 volumes chez Pika. Pour fêter les 20 ans du manga Master Kaiten, une suite intitulée Master Kaiten Remaster d'un volume a débuté dans le Big Comic original en mars 2012. Cependant, le manga parie avec un rythme irrégulier, Naoki Urasawa et Takashi Nagasaki continuant de travailler en priorité sur Billy Bat jusqu'à la fin de la série en 2016. Rien n'arrête l'imagination d'Urasawa qui nous propose en 2017 une histoire courte de 2 volumes, Mujirushi, le signe des rêves, rendant hommage au musée du Louvre, disponible aux éditions Futuropolis, et enfin sa dernière série en date intitulée Asadora a commencé en 2019 dans le Big Comic Spirits. Un seul tome est sorti pour le moment, mais le deuxième est prévu pour fin septembre au Japon. Il s'agit d'un manga tranche de vie avec une ambiance si unique au manga de Naoki Urasawa. Bon, je vous ai épargné les synopsis pour pas que la vidéo soit trop longue, mais je vous mettrai les fiches de chaque manga dans la description. On enchaîne avec la troisième partie, son style de dessin. Dans cette vidéo, nous allons avoir l'occasion de voir qu'il ne s'agit pas spécialement du gros point fort de Naoki Urasawa, mais malgré tout, je qualifierais son style de dessin d'efficace. Selon moi, de bons dessins ne sont pas nécessairement de beaux dessins, même si bien sûr, il y a une certaine part de subjectivité et de sensibilité qui entre en jeu ici. Là où je veux en venir, c'est qu'un dessin supposé a priori moins élégant qu'un autre peut s'avérer bien plus impactant qu'un dessin étant plus joli dans ses traits, mais ne dégageant rien de bien particulier. La différence se fait alors pour moi dans la mise en scène des personnages issus d'un récit, du contexte qui est illustré sur le papier et de la façon dont l'histoire te touche personnellement en tant que lecteur. Un domaine dans lequel Naoki Urasawa excelle en termes de mise en scène et de découpage. Il ne s'agit pas de l'auteur qui dessine le mieux à mon goût, en revanche, il s'agit de l'un des auteurs ayant le style le plus efficace et l'un de ceux qui me sensibilisent le plus. Pourtant, en premier abord, rien ne paraît particulièrement incroyable. La force du coup de crayon d'Urasawa est de se marier et de se fondre à merveille avec le genre d'histoire qu'il dessine. Une ambiance qu'il sait parfaitement ajuster aux besoins, passant de scènes de quotidien où l'on ressent tout le côté chaleureux de ses traits, ou bien des ambiances bien plus lourdes où sa gestion des ombres entre en jeu. Instaurant ainsi un rythme haletant où les mystères en deviennent insoutenables, en passant également par une belle retranscription de toute la ferveur que peut procurer un sport ainsi que les efforts produits par les athlètes, en tant que grand maître du thriller, il maîtrise le découpage de ses planches de façon efficace et quasiment parfaite, à tel point que son découpage décide même parfois du rythme de ses histoires. Lorsque l'on arrivera à la partie réservée à mon avis développée sur cet artiste, vous verrez qu'absolument tous les points positifs cités ici ne forment qu'un tout au final. De ce fait, malgré les apparences d'un style ayant l'étiquette de n'être pas spécialement flamboyant, il s'agit en réalité d'un style de dessin aussi efficace que puissant. Sans pour autant être impressionnant de réalisme, son art style non pas cartoonesque mais je dirais plus sobre que la moyenne n'enlève en rien à la sincérité des émotions que dégagent ses personnages. Sur cet aspect-là, il en devient justement impressionnant de réalisme, des traits très expressifs illustrant à merveille des thématiques souvent assez matures et surtout humaines. Maintenant que l'on s'est attardé sur un aspect appelant davantage à la sensibilité et à la subjectivité de chacun, intéressons-nous désormais à l'aspect un peu plus technique de son style de dessin. Un style que Naoki Urasawa a su faire évoluer tout au long de sa carrière afin de lui créer une identité unique et propre à l'univers de l'auteur. Bien qu'il opte souvent pour le genre thriller, nécessitant par conséquent de nombreux dialogues entre ses différents personnages, son coup de crayon à la fois épuré et délicat permet constamment d'adoucir notre lecture. Une certaine légèreté se dégage de ses dessins, à la fois sobre et précis, une précision telle qu'il en vient à te marquer précisément quand il le faut. On ajoutera à cela des décors très soignés, fourmillant parfois de détails, permettant ainsi de renforcer l'ambiance réaliste de chacune de ses œuvres. On pourra lui reprocher son manque d'utilisation de trames de temps en temps, du moins sur ses personnages la plupart du temps, car il s'en sert convenablement pour apporter du contraste à ses décors. Des décors gagnant donc de ce fait davantage de profondeur et de texture, sa gestion de la couleur est elle aussi intéressante et se démarque des autres, notamment avec ses couvertures qui ressortent souvent du lot, je pense notamment à celle du manga Billy Bat, une technique et des compositions qu'il a su peaufiner avec le temps afin de mieux laisser parler son sens artistique. Si on a pu constater à travers ses planches que son style de dessin est intéressant sur de nombreux facteurs, creusons maintenant plus loin en revenant sur ses influences. Naoki Urasawa est un mangaka qui possède une culture assez riche et cela ressort clairement du lot lorsqu'on lit ses œuvres. On va dans un premier temps revenir sur une de ses influences qui fait écho avec un point que j'ai longuement détaillé, la précision et la sincérité émotionnelle de ses mangas. Ce point lui vient d'une scène du cultissime Kyojin no Oshi, un célèbre manga de baseball ayant marqué les années 60 de son empreinte, l'un des gros concurrents d'Ashita no Joe de l'époque, donc voilà c'est pour vous dire la grandeur de ce manga. Une certaine scène l'avait marqué au point qu'il se met à l'analyser pendant des heures après ne l'avoir vu qu'une seule fois, remettant ainsi sur papier ce qu'il avait vu afin de comprendre les éléments qui lui avaient suscité des émotions.
Il passa de nombreuses heures, de nombreux jours à analyser la scène dans le but de recréer une émotion similaire à l'épisode qu'il avait visionné, mais on comprend tout de suite mieux d'où il tire les émotions que transmettent naturellement ses personnages et ses histoires. C'est un point qu'il a beaucoup travaillé. Forcément, je me dois de citer Osamu Tezuka qui a eu une importance majeure pour Urasawa, puisque les seuls mangas qu'il possédait dès le plus jeune âge étaient de lui, notamment le Roi Léo. Il cite aussi le robot le plus fort du monde, qui l'a marqué de par le sentiment de vérité que dégageait le message de cette œuvre, Astro Boy à qui il rendra hommage en tant que mangaka confirmé avec Pluto. Et surtout Phoenix, c'est selon lui le manga qui lui a fait comprendre les codes de cet art ainsi que sa richesse. On notera aussi que son père ne lui achetait que le Shonen Magazine lorsqu'il était jeune, lui permettant de suivre l'apparition d'Ashita Nojo. Il était également fan de l'anime ainsi que celui de Kyojin Oshi, allant même jusqu'à percevoir que les meilleurs épisodes de ces deux séries respectives étaient produits par le même réalisateur alors qu'il était très jeune. Ce dernier n'est autre que Shingo Araki. Il cite aussi Hayao Miyazaki, bien évidemment. Selon lui, il s'est volontairement inspiré du style de Katsuhiro Otomo, un mangaka réputé pour son célèbre manga Akira, dont la rencontre a été un fait marquant. Sa manière de dessiner des histoires réalistes dans leur fond et pour leur thème abordé sous une forme légère au trait fin et courbé l'ont beaucoup marqué. Il cite aussi Stephen King, l'une de ses influences les plus frappantes hors manga. Comme mentionné plus tôt, la musique reste l'une de ses plus grandes passions, il est donc logique d'y retrouver certaines influences dans ses séries. Elles sont trop nombreuses pour toutes les citer, mais il y a notamment du Bob Dylan ou encore les Rolling Stones. Puis il s'inspire aussi de sujets d'actualité et du quotidien en plus de sa propre expérience de vie. Par exemple, 20th Century Boys reflète certains aspects de son vécu par moment. Ce n'est plus un secret, Naoki Urasawa est sans aucun doute mon auteur préféré. Si je reconnais qu'en tant que dessinateur, certains sont bien plus talentueux que lui, en tant que scénariste, c'est une toute autre histoire et ce jeu de mots n'est même pas voulu. Plus sérieusement, cet auteur possède de nombreuses qualités, et si celles qui sont le plus mises en avant restent éventuellement sa gestion du suspense, sa narration ou encore ses scénarios étoffés, j'aimerais tout d'abord louer la qualité de ses personnages. Pour être plus précis, il va avant tout être question de l'importance de ses personnages féminins. La place de la femme dans le monde du manga est très souvent remise en question, principalement dans les shonen où elle est souvent reléguée au second plan, des rôles secondaires réduisant son importance dans une œuvre. Or, concernant Urasawa, ce dernier propose le parfait équilibre, et les femmes sont tout autant mises en avant que les hommes, et même parfois plus. Je pense notamment au manga Yawara, qui met en scène une jeune fille forte aux capacités extraordinaires pour le judo, un manga qui a rencontré un énorme succès au Japon et qui a même popularisé le sport au Japon. Je doute que cela soit une coïncidence, d'autant plus qu'on était rendu au début de sa carrière. C'est aussi cette série qui a considérablement popularisé Urasawa, un auteur parvenant à mettre tout le monde d'accord, aussi bien les filles que les garçons. De plus, je rajouterai qu'outre sa belle utilisation des personnages féminins, certaines de ses histoires ne sont pas centrées sur un protagoniste en particulier que l'on suit en continu. Je pense par exemple à ses principaux succès en Occident, à savoir 20th Century Boys ou encore Billy Bat, un atout qui nous permet de s'attacher plus facilement à ses protagonistes, car chacun d'eux ont leur moment de gloire et sont suffisamment développés pour que l'on s'attache à eux justement. Cela dit, j'ai souvent du mal à savoir qui est mon personnage préféré de chacune de ces séries tellement je m'attache à plusieurs d'entre eux et non pas à un en particulier. Bien sûr, cela dépend des goûts de chacun, ce n'est pas non plus toujours le cas. Bien entendu, je me dois de revenir sur sa maîtrise de la narration, un mangaka qui parvient scénaristiquement à me captiver et ce, peu importe le genre d'histoire qu'il me propose. Si tout à l'heure je mettais en avant son don de fondre son coup de crayon selon le genre d'histoire qu'il dessine, on peut aussi superposer ce point concernant son scénario. En tant que grand maître incontesté du thriller, je le répéterai jamais assez, il dicte le rythme de ses histoires quand bon lui semble. Si non seulement son découpage aide à varier le rythme de son récit, il est bien aidé par les nombreux retournements de situation. Urasawa mène la danse, donnant ainsi l'impression à ses lecteurs d'avoir tout prévu depuis le début, leur tendant une main pour mieux les prendre à revers avec l'autre, une narration toujours cohérente malgré des éléments scénaristiques plutôt osés. Je fais ici référence à des mangas comme 20th Century Boys et Billy Bat, où le facteur temporel a une extrême importance, amenant de ce fait les lecteurs à faire des va-et-vient dans le temps, que ce soit le passé pour 20th Century Boys, qui nous apporte certaines révélations, ou tout simplement la narration de l'histoire qui oblige à effectuer un passage dans le passé, ou bien Billy Bat nous montrant des éléments futurs en zappant des étapes, accentuant ainsi la stupéfaction du lecteur. On voit des choses qu'on aurait dû voir bien plus tard, on se demande ainsi comment les protagonistes en question ont fait pour en arriver là, et c'est juste incroyable comme procédé, c'est toujours efficace. Vous l'avez compris, Naoki Urasawa se sert de la narration avec des procédés souvent surprenants, il essaye de nouvelles choses, il ose s'aventurer vers une écriture plus fine, plus précise, et surtout plus dense. On en vient justement à un autre point qu'il gère à merveille, le suspense. La plupart de ses œuvres ont la particularité de proposer des ambiances mystérieuses, amenant ainsi le lecteur à se poser de multiples questions tout au long de l'intrigue. Un suspense d'autant plus maîtrisé quand l'ambiance s'assombrit, bien qu'on évolue systématiquement dans des cadres réalistes, des intrigues haletantes où je me suis très souvent retrouvé avec le souffle coupé, en mode « Wow, qu'est-ce que je viens de lire là, putain !»
Et oui, un suspense bien accentué par le côté imprévisible de ces histoires, on ne sait pratiquement jamais à quoi s'attendre, ce qui rend assurément notre lecture fascinante en tout point. Il s'agit aussi d'un mangaka à l'écoute de ses fans tout en restant fidèle à ses principes. En effet, lors de la publication de Pineapple Army au début de sa carrière, il ne dessinait pas les armes à feu de façon très précise parce qu'il n'en était pas fan. Après plusieurs plaintes de ses lecteurs, il a pris conscience qu'il ne devait pas dessiner en prenant uniquement son point de vue en compte, mais aussi celui des lecteurs. Malgré cela, on ne ressent à aucun moment qu'il fait du fanservice dans l'unique but de plaire à ses fans. Ça apporte vraiment un plus. On a un mangaka qui dessine selon ses codes, sans compromis, et c'est une force qui n'est pas donnée à tout le monde. Un mangaka qui puise sa force dans ses propres faiblesses. Lors de la fin de Pineapple Army, il sentait que son héros était devenu trop fort grâce à une arme qu'il avait confectionnée de lui-même, et donc du coup Urasawa se trouvait au pied du mur en quelque sorte, il avait plus d'idées, mais le défaut de son manga lui donna justement l'idée de créer Master Kaiton, l'histoire d'un homme résolvant n'importe quel problème de par son intelligence et non sa force. Et on retrouve le même concept de réflexion pour la création de Happy qui prend un contre-pied l'histoire de Yawara, abordant tous les deux le sport féminin. L'un dans un cadre dramatique, tandis que l'autre était plutôt dans l'esprit sportif, l'effort et tout ça. Il représente l'idéal d'un mangaka à mes yeux, un style de dessin charmant et efficace avec une identité qui lui est propre, une narration merveilleuse dont la plume fait naître des chefs-d'œuvre dans des registres parfois complètement différents, que ce soit sportif, policier, tranche de vie, fantastique, psychologique ou bien dramatique, il sait constamment rebondir pour mieux surprendre ses lecteurs. Je ne peux que saluer sa soif de créativité, le type il a pondu plusieurs bijoux et parfois en simultané, ça c'est encore un point qui lui vaut tous les mérites de la planète. Et même lorsqu'il reste dans le même genre et dans un registre similaire, il ne se répète jamais, il ne se renouvelle au contraire constamment. Il n'y a qu'à lire Monster, 20th Century Boys ou encore Billy Bat pour s'en convaincre. Des grands classiques s'inscrivant plus ou moins dans le même genre, mais pourtant fondamentalement différents. Outre son style de dessin satisfaisant à l'identité unique, Urasawa c'est aussi tout un univers qui est unique. Chacun de ses mangas dégage une ambiance propre à l'auteur, et quand tu deviens fan du bonhomme, c'est un point que tu captes direct, sans trop savoir comment d'ailleurs. Un auteur totalement insaisissable qui sait tout autant pondre de bons personnages que de bons scénarios, que demander de plus à un génie qui n'a plus rien à prouver. Et enfin, pour conclure cette vidéo en beauté, passons à une petite sélection d'anecdotes. Tout d'abord, sachez que Naoki Urasawa fait aussi des documentaires, il possède sa propre émission intitulée Mamben, dans laquelle il interviewe des mangaka, revenant ainsi sur leur parcours, leur style de dessin, tout en nous proposant une immersion dans leur quotidien au travail. Celle-ci est diffusée sur la chaîne NHK au Japon. A la base, il voulait travailler dans le monde de l'édition de livres pour enfants, bien qu'il était passionné de manga depuis sa plus tendre enfance, il n'a jamais voulu en faire son métier. Alors qu'il avait rendez-vous avec Takashi Nagasaki afin de lui remettre un nouveau scénario, n'ayant trouvé aucune idée pendant une semaine, Naoki improvisa une histoire sur l'instant et cela plut à Nagasaki, cet événement lui donna énormément de confiance en lui. Naoki Urasawa était l'assistant de Toshio Nobe, l'auteur de Watashi no Okita-kun ou encore Nozomi Witch. Pineapple Army était prévu pour être une histoire courte, au final elle se sera étalée sur 8 volumes, devant ainsi une série, tout comme Monster aurait dû se compiler en 4 tomes. Il a décidé de mettre fin à Yawara au moment de sa gloire, à ce moment-là, le titre se vendait à plus de 1 million d'exemplaires. Il a aussi refusé une adaptation en anime pour son manga Happy, une nouvelle série sur le sport féminin qui lui a été réclamée par ses éditeurs à la fin de Yawara, au vu du succès que celle-ci avait connu. A noter qu'il a bossé seul sur Happy, sans l'aide de responsable éditorial et donc de réunion avec ces derniers. Malgré ses nombreuses histoires, il n'a jamais dessiné d'histoire qui ne lui plaisait pas, il n'a jamais abandonné une histoire en cours de route et on ne lui a jamais demandé de mettre fin à l'un de ses mangas. Et enfin, il a reçu tellement de prix, de distinctions, dont des prestigieuses comme le Grand Prix culturel Osamu Tezuka avec Monster, puis avec Pluto, le prix du manga Kodansha avec 20th Century Boys, le prix du manga Shogakukan avec Yawara, bref, la liste serait beaucoup trop longue. Une preuve que tout ce que touche Naoki Urasawa se transforme en or, je vous avais prévenu, je le répète encore, oui je me répète, je lui suce la bite même si tu veux, mais à juste titre. Sur ce, la vidéo est terminée, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé et à me donner vos avis sur Naoki Urasawa et ses œuvres dans les commentaires. Les deux qui m'ont le plus marqué resteront 20th Century Boys et Billy Bat pour la qualité de leur narration à la fois spéciale mais toujours aussi captivante. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains épisodes. Pour le prochain, je vous proposerai une nouvelle version de ma vidéo sur Yusuke Murata qui sera bien plus complète et meilleure en tout point. Mis à part ça, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, à savoir Twitter, Insta, le Discord de la chaîne, et aussi Utip si vous souhaitez soutenir la chaîne tout simplement. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, portez-vous bien, et moi je vous dis, on se reverra. You know, should I be in the middle?